Okay, let's try something different. Salut tout le monde, c'est Cordox et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5, un top 5 des pires chutes en vélo. Donc j'ai vu que mon top 5 des pires chutes vous a énormément plu, c'est pour cela que je sors cet épisode numéro 2 entre guillemets. Je remercie d'avance les différentes chaînes communautaires auxquelles j'envoie cette vidéo si jamais ils m'uploadent. Sur ce, c'est parti. En cinquième position, il s'agit d'une fille qui descend une grande descente, donc oui je sais c'est pas vraiment français, avec son vélo pour arriver sur une rampe qui est censé l'envoyer en l'air et retomber dans l'eau, sauf que cela ne va pas se passer comme prévu. J'ai eu vraiment mal pour elle en voyant cette vidéo. Are you all right? No, I'm good. En quatrième position, il s'agit d'une personne qui est dans un skatepark avec son BMX. Il va tenter de faire une figure vraiment impressionnante. D'ailleurs, s'il y a des personnes parmi vous qui pratiquent ce sport, n'hésitez pas à me donner le nom de cette figure en commentaire. Donc cette chute, elle est vraiment impressionnante. En troisième position, il s'agit encore une fois d'une personne avec un BMX. Et lui, il va encore une fois tenter de sauter un mur vraiment haut. Mais l'atterrissage ne sera pas celui que cette personne espérait. Regardez. En seconde position, il s'agit d'une chute vraiment similaire à la chute en quatrième position. Encore une fois, une personne qui va tenter une figure assez complexe dans un skatepark. Et la chute, elle est vraiment impressionnante elle aussi. On arrive enfin à la première position, je tiens juste à préciser que la chute qui va suivre est vraiment gênante pour les âmes sensibles. Pour cette chute, je n'ai pas grand chose à vous expliquer à part que cela va se produire encore une fois dans un skatepark. J'ai vraiment eu mal pour lui. Voilà, c'est la fin de ce top 5. N'hésitez pas à me raconter en commentaire vos chutes de vélo, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao !